Petit sondage alors, la E 46 ici. À savoir laquelle vous préférez, ou cette E90 ici. Donc pareil, les deux ont les calandres noirs. L'arrière, notre E90 et l'arrière de notre E46. Voilà. Donc voilà, petit sondage, est-ce que vous préférez la E90 qui est ici ou la E46 qui est ici? Laissez vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, dites ce que vous pensez des deux véhicules. Si vous en possédez, faites partager votre expérience. Je vous dis au prochain tuto, salut sur Cars Effect.